Christophe, félicitations, vous avez gagné le prix Royal Oak avec Vazirabad. Pouvez-vous revenir sur cette performance ? Écoutez, c'est un cheval qu'on aimait beaucoup, qui a beaucoup progressé depuis cet été. C'est un cheval très tardif. On était un petit peu dubitatif sur l'état du terrain, parce que c'est un cheval qui a toujours couru en bon terrain, qui a vraiment une action de cheval de bon terrain, qui est capable d'accélérer. Donc on était content de voir qu'il n'y avait pas plu cette semaine, mais quand même la piste était assez collante. Donc on a eu de la chance de pouvoir déjà sortir un peu des trous dans le parcours et pouvoir finir tout à l'extérieur sur une piste vierge. Dans le parcours, comme à son habitude, il part toujours très mou, donc je me suis retrouvé un peu débordé en partant. J'en ai profité pour le décaler en dehors, parce que c'est pareil, c'est un cheval qui aime bien venir en dehors des autres. Et entre les lignes droites, j'ai la chance de pouvoir filer Cylian Saga pendant au moins 200 mètres dans la ligne droite, ce qui m'a quand même permis d'économiser quelques cartouches. Et au moment où je lui ai demandé l'effort pour finir, il a quand même très bien réagi. Il était très courageux, même si encore à 20 mètres du poteau, il fait comme d'habitude, il a tendance un peu à se relâcher devant. Très bien. Vous avez été associé à lui à 4 reprises, 4 victoires. La première fois, c'était à Deauville, dans une course D sur 2700 mètres. Il gagnait 3 quarts de longueur. Pensiez-vous, à l'époque, qu'il pouvait être du niveau des courses principales ? Non, pas du tout. On ne pense pas, quand on gagne une D à Deauville, gagner le Royal Oak en fin d'année. C'est un cheval qui était très tardif, comme je vous l'ai dit, qui a très bien pris chacune de ses sorties. Après, on était un peu, pas sûr, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était quand même un vrai lot dans le Royal Oak. Il y a quand même des chevaux comme Cyrus des Aigles, 1000 et 1000, plusieurs gagnants de groupe qui sont quand même très durs. Donc il fallait déjà avoir un cheval en grande forme. On a eu la chance, comme je dis, de ne pas avoir eu un terrain trop lourd, ce qui nous a quand même certainement avantagé aujourd'hui. Et puis une course qui a été bien menée et qui a été régulière, ce qui fait que mon cheval a pu bien terminer sur les autres. La catégorie des stayers est parfois un peu éphémère, en ce sens où depuis Westerner et Yates, on n'a pas eu de véritable star chez les stayers. Pensez-vous que Vazirabad pourrait remplir ce rôle ? Oui, tout à fait. Je pense que si jamais il n'a pas de pépin physique, faire ce qu'il fait aujourd'hui, ça prouve que c'est un grand cheval. On ne gagne pas un Royal Oak à 3 ans contre des vieux tontons comme ça, si on n'a pas une classe de plus que les autres. C'est vrai que parfois c'est un peu triste, même comme chez nous dans les sprinteurs français. On a des fois des années où on a un cheval qui gagne tout pendant 2-3 ans et quand ils sont plus là, derrière c'est un peu creux. C'est ce qu'on a un peu le cas aussi chez les sprinteurs actuellement. Maintenant, chez les stayers, si lui continue à progresser comme ça, je pense que l'année prochaine il va nous faire plaisir. Malheureusement, c'est une catégorie où il n'y a pas non plus énormément de grandes courses, donc il faut savoir viser les bonnes. Il faut que le cheval soit en grande forme pour ses échéances. Et à part le prix de cadran, la Gold Cup l'année prochaine en Europe, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément non plus de programme pour ces chevaux là donc il va vraiment falloir viser ces courses là avec l'espérance qu'il continue à progresser, parce que je pense qu'il a une étincelle de plus que certains autres chevaux sur cette distance. Merci.